Le coach. la main, il s'excuse. Ouais, mais c'est bon, il va lui mettre un carton. Dites-lui, hey, il s'excuse là, voilà, il va mettre un carton. Attendez, monsieur Diamel. Ouais, c'est ça. Ah, mais qui, voilà, qui s'excite pas. Voilà, c'est ça. Mais là c'est clair que tout à l'heure sur la première, mais là il n'y a rien à dire là. Ready? Fabrice, Sylvain. Ouverture micro. Eh oui, avec Michael Siani. Michael, un héros malheureux et heureux. On va commencer par le but que vous prenez là avec Jean-Claude Darcheville. Vous connaissez son jeu. Il va très haut sur cette action. Il va haut, ouais. Il est bon de la tête, même s'il est petit. Il a eu un bon timing. On était un peu statique, donc il en a profité. Et le but que vous marquez à la troisième occasion, troisième tête, troisième corner, la délivrance. Il était temps, ça fait... Non mais c'est bien, parce qu'on est dedans, mais voilà, il faut être solide défensivement pour pouvoir bien construire et concrétiser nos actions. Valenciennes aussi est dedans, hein. C'est deux équipes qui jouent de l'avant, c'est un beau jeu aujourd'hui. Ouais, un beau jeu, ouais, c'est mieux que les matchs qu'on a eu l'habitude de faire face à Valenciennes. C'est rien du tout. C'est la tempête. C'est la tempête, ouais. Non, donc c'est vrai, ouais, il y a du beau jeu. Les deux équipes essayent de jouer. Et, bon, voilà, ça va être ça va jouer comme là sur des coups de pied arrêtés ou voilà, des bagarres de la surface, quoi. Merci. Merci. Stéphane Aubert adore les ricomères. Stéphane Aubert adorait les ricomères. Évidemment, c'était un peu des mini, des extravagances. Et bien pensons aussi, Stéphane, nous avons marqué 3 buts pour dégager les coups de main. 3 buts. Stéphane, 3 buts pour la soumission ce soir. 5 contre le main, 3 pour la gaz électrique. 3 pour le gaz électrique. 5-3. Voilà, c'est Glover qui s'impose ce soir. Allez, on se dit avec Jean-Marie et la musique. Salut Jean-Marie, nous souhaitons quitter mon vœu. Merci à tous qui se cassent là-bas. Jean-Marie. Voilà, super. Même à la limite, voici voilà. Applaudir les deux joueurs de Gazalec avec Glover, applaudissement. À Marseille, Marseille 1, but à la 23e, de Valbuena, le Havre 0, Nice, Auxerre 0-0, Saint-Étienne-de-Mans 0-0, Toulouse, Nancy, dans les ultimes secondes, André Pierre Gignac, qui marche 1, Toulouse, 0 pour Nancy. Dans le Bordeaux, évidemment, c'est à 21h, et demain, on se rappelle, quand Monaco à 17h, deux shows à 17h, et Gilles-Rennes, ça sera un peu plus tard dans la soirée, une petite page musicale. Voilà, mademoiselle, monsieur, j'avais dit que c'était une rencontre de scène lorsqu'on l'a présenté ce soir, pas sur la fête de réseau, on l'a bien vu. Alors il faut maintenant aller par plus de début, on est conscient, voilà, sentiment à la présence du match, dis-nous tout. Il y aura 3 buts de soir, 3 buts pour les dans leur tête, on l'offre de mal. Voilà, je vous remercie, merci aux prédicateurs pour les avances. On aime le Célorient, on aime les blancs, on aime les berlues. Avec le Texas, on remarque un peu plus avec votre foi, être la dernière fois, être les tangos. Allez, ensemble, un petit coucou musical. Ah, bien. Pas d'eau. Il y a pub. Allez, ouvre le micro. Oui, avec Yadjouf, un des acteurs de cette première mi-temps, difficile de passer, de centrer. Ils sont durs sur l'homme. Ah ouais, ils font un bon match. C'est vrai qu'ils sont solides. Ils sont venus chercher des points. Ils ont besoin de points. À nous de créer les brèches, d'être patients, de prendre notre temps. Et puis, on va avoir des situations. On aura l'occasion de mettre au fond. Considérez-vous que vous avez fait le plus dur en égalisant? Pas le plus dur, mais c'est vrai que c'était mal embarqué quand même. Donc c'est une bonne chose d'avoir égalisé avant la mi-temps. Maintenant, il faut rester concentré et essayer de les pousser un peu en deuxième mi-temps. Merci. Ouverture. On est là derrière ces joueurs favoris, derrière les champions. On sort. Avec Rudi Mater, vous aviez fait le plus dur, hein, c'est une égalisation bête pour vous ce soir. Oui, une égalisation bête. Bon, ça arrive, le premier but on le marque sur corner aussi, c'est des erreurs défensives. Mais bon, on a entamé ce match avec une bonne qualité de jeu, on était bien dans les duels, on a commencé à reculer à 25 minutes de la fin. Donc là, il faut repartir sur le même état d'esprit que la première mi-temps, le début de la première mi-temps. Et puis, pourquoi pas gagner ce match, ce serait bien pour nous. Il y a de la place, merci. contre une différence militaire. Commencement à Valenciennes, sortie du numéro 24, Jean-Claude Darcheville. Ah, il faut arrêter à un moment d'ailleurs, on passe le rond-tubé à chaque fois sans déconner. En place. Non mais arrête un peu. C'est bon, seul.